et s'ouvrira un nouveau chantier, celui du service national universel. Et je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port. Il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement celui des armées. Il aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire qui vous sera prochainement, dans le détail, présentée.